Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolou Mike et dans cette 8ème vidéo, je vais vous aider à réaliser la mission finale de TNT Tina. Donc quand vous aurez terminé 18 défis, des défis de TNT Tina, vous allez pouvoir débloquer la variante ombre de TNT Tina ou alors la variante fantôme. Alors faites très attention parce que quand vous allez choisir votre variante, ce sera définitif. Donc moi par exemple, je vais choisir la variante ombre. Et bien si je choisis cette variante, je vais avoir un défi qui est de détruire des ravitaillements du fantôme en utilisant des explosifs. Si maintenant je choisis la variante fantôme, je vais devoir détruire des ravitaillements d'ombre en utilisant des explosifs. Donc c'est simple, si vous choisissez le skin noir, vous allez devoir détruire des boîtes aux lettres blanches. Et si vous choisissez le skin blanc, vous allez devoir détruire des boîtes aux lettres noires. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous choisissez le skin ombre, vous ne pourrez pas détruire les boîtes aux lettres ombre. Alors maintenant, je vais vous montrer comment détruire ces boîtes aux lettres. Tout simplement, vous allez devoir vous rendre dans la map et chercher après des boîtes aux lettres, soit ombre ou soit fantôme, en fonction de la variante que vous avez choisie. Ensuite, il vous faudra des explosifs. Donc, vous pouvez bien sûr le faire avec le bateau si jamais vous ne trouvez pas d'explosifs. Ou alors des grenades, bazooka, C4, mines de proximité. Voilà, vous pouvez utiliser tous les explosifs que vous voulez. Ce que vous devez faire, c'est de lancer l'explosif près de la boîte aux lettres que vous devez détruire. Et vous allez devoir détruire deux boîtes aux lettres. Alors, les emplacements des boîtes aux lettres, il y en a dans tous les lieux dits. Donc n'hésitez pas à me corriger si je me trompe, mais je pense vraiment qu'il y en a dans tous les lieux dits. Donc à Pleasant Park, à Craggy Cliff, à Sweetie Sand, à Salty Spring, à Holly Edge, à l'agence même, à Slooper Swamp, à Lazy Lake, à Dirty Dock, à Retail Rogue, je pense vraiment qu'il y en a partout. Donc visitez un lieu dit et détruisez la boîte aux lettres adéquate. Donc voilà qui termine cette petite vidéo. Je tiens à faire une grosse dédicace à Audrey Marley qui m'a prêté son compte pour réaliser cette vidéo parce que tout simplement j'ai la main dans le plâtre et j'ai pas eu le temps de faire mes défis. Donc grosse dédicace à toi Audrey, merci de m'avoir prêté ton compte. Et merci d'avoir fait les défis directement dès qu'ils sont sortis. Ça m'a bien aidé pour sortir la vidéo assez rapidement et aider la communauté. Donc gros big up à toi. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolou Mike et ciao. Peace.